C'est important de comprendre qu'au golf, la rotation vers l'arrière vous donne beaucoup plus de temps lorsque vous redescendez à travers la balle. Et très souvent, lorsqu'on vient faire le mouvement, quand on a de la difficulté, par exemple, à sentir une bonne rotation à l'impact, on a de la difficulté à sentir que les mains se relâchent bien aussi. Souvent, c'est simplement parce que lorsqu'on fait la rotation vers l'arrière, on fait une rotation qui est un peu trop courte. Et plus la rotation est courte vers l'arrière, moins j'ai de temps, justement, pour que le corps soit capable de redescendre correctement à l'impact. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe comme ça ici à la balle, je fais ma rotation vers l'arrière comme ça mais je ne vais pas nécessairement au maximum de ce que je suis capable de tourner. Donc, disons que je vais garder un mouvement qui est un peu plus court, parce que ça me donne la sensation, lorsque je fais un mouvement qui est plus court, que je, suis... je vais être capable, en fait, d'avoir un meilleur contrôle sur mon contact, ce qui est tout à fait faux, ce qui est tout à fait le contraire. Mais disons que j'y vais comme ça. Donc, j'y vais un mouvement court vers l'arrière, comme ça ici, et ensuite, tout de suite, je m'en vais vers l'avant en tournant comme ça. Ce qui va se produire, c'est que si le mouvement est court comme ça ici, que tout de suite j'essaie de tourner vers l'avant comme ça, ce que ça fait, c'est que très souvent, je vais arriver avec une face de club complètement ouverte vers l'extérieur. Et ce qui explique ça, c'est simplement le fait que le corps, lorsqu'on redescend, parce qu'on manque de rotation vers l'arrière, n'a pas le temps nécessairement de replacer cette face de club-là. Plus vous laissez le corps tourner vers l'arrière, plus le corps a du temps pour ramener correctement la face de club à l'impact. Ce que vous allez faire pour le sentir, prenez le club, placez-le comme ça ici sur vos épaules, prenez la même position que si vous vouliez frapper la balle comme ça, et tout ce que vous allez faire, laissez tourner la boucle de ceinture, laissez tourner le haut de votre corps, et assurez-vous simplement que le bout du club comme ça ici vienne tourner légèrement derrière la balle. Si vous sentez que le corps vient se tourner comme ça ici, légèrement derrière la balle, mais là vous allez avoir énormément de temps pour revenir correctement à l'impact. Très souvent lorsqu'on essaie de faire justement des mouvements qui sont un peu plus courts, ça va ressembler un peu à ça ici. Donc je m'installe comme ça. Je fais ma rotation et je l'arrête à peu près ici. Vous voyez que le bout du club ne pointe pas du tout derrière la balle. Là, je pointe derrière la balle. Et vous voyez quand je fais ça aussi, à quel point le corps n'a pas besoin de se déplacer pour le faire. Tout ce que je fais c'est que je viens tourner un peu sur ma jambe droite comme ça ici mais voyez que là mon épaule gauche est bien dégagée derrière la balle. Donc ça ça va être un exercice super simple en fait, c'est un mouvement un peu de sensation que vous pouvez prendre. Lorsque vous allez vous installer à la balle, imaginez-vous que vous faites tourner le corps et que vous amenez votre épaule gauche derrière la balle en rotation comme ça ici derrière la balle. Et si vous sentez que l'épaule gauche Tourne derrière la balle, bien automatiquement, vous allez voir que le corps va avoir beaucoup plus de temps à la descente et vous allez sentir que votre rotation par la suite vers l'avant va être déjà nettement meilleure. Donc, je m'installe, je prends mon point de repère, mon épaule gauche qui tourne derrière la balle comme ça ici et je redescends. Si vous manquez un peu de flexibilité, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, lorsque vous allez faire le mouvement justement vers l'arrière, vous gardez un peu cette impression-là d'épaule gauche qui tourne derrière la balle. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez légèrement laisser votre pied avant se lever. Donc, ça, déjà, ça va vous aider aussi à aller dégager le corps un peu plus derrière la balle, comme ça ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est placer la balle légèrement plus décentrée vers l'avant aussi. Donc, ça va vous donner un peu plus d'espace. Donc, si par exemple, je suis habitué de jouer la balle un peu plus au centre de mes pieds, ce que je peux faire, c'est la décaler légèrement plus vers l'avant, qui fait que justement, mon épaule gauche va être capable de tourner un peu plus facilement encore là, derrière la balle. Donc, si vous avez un peu plus de difficultés avec cette rotation-là, mais ça, ça va vous aider à sentir le même dégagement derrière la balle.